Là, je pense que je vais retourner vers la ville, m'acheter le chariot. C'est pas mal, voilà ce que je dirais. Voilà, je vais redescendre pour aller m'acheter le chariot. Alors, du coup, faut que j'en ai des trucs. Casque de cuir. Tenue de voyageur. Kilt. Couvercle de tonneau. Attends, quoi? Ah, c'est une armure le kilt de cuir, merde. Du coup, je l'ai acheté pour rien. Quel débile. Ça, on va vendre ça, je pense, hein. Ça ne m'intéresse pas, non. Je sais pas si ça se vend, ce truc-là. Non, ça veut pas se vendre. Ça. 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 Ça, du coup, j'en vends deux. Ah, j'irai un peu dehors. Ça, je vends. Ça, je vais vendre. Ah, j'ai plein de trucs. Plein de trucs à vendre. Hein. Je peux aller vendre la lampe des ténèbres pour quoi faire? Ah mais ça la consomme! C'est nul de la consommer juste pour ça. Ah bon, c'est infini? Stylé. Elle est où? Je devrais la mettre dans. Je crois qu'elle est. Ouais. Je vais la transférer sur toi. Oui, logique, elle met pas le jour. Attends. Toi, t'as l'épée initiale, même dire. On va la mettre dans le sac. Les graines, là, on va les mettre dans le sac. En ce temps, j'ai pas envie de les utiliser, je sais pas trop quoi en faire. Ça va dans le sac. Ça aussi. À la limite, la graine de vitalité, pourquoi pas pour le héros? Ok. Graine de vitalité, on va utiliser sur toi. Oh, de 3! Nice! Lampe des ténèbres. Ok.
Ok, là c'est trop cool. C'est vachement cool comme truc. J'espère, alors il faut un chariot pour que vous ayez bien plus de monde dans votre équipe. Des pièces sur le comme ça vaut dans les 30 pièces d'or, mais j'ai envie de faire une fleur. 300 pièces d'or, ça. J'ai plein de thunes du coup. Pourquoi vous m'avez dit 3000 pièces d'or? Ok. J'ai bien envie de vendre un ou deux trucs en plus. Comme ça, j'ai 3000 et je dépose ça à la banque. Pire, tant pis. Moi, ouais, c'est 3000, mais du coup, je sais pas, il a pas fait de. Il t'a peut-être pas fait de remise à toi. Hein. Alors, moi je viens de là-bas. Est-ce qu'il y a quelque chose par là-bas? On va aller voir. Du coup, ça y est, j'ai un marteau-brin dans l'équipe. Incroyable. Mais peut-être qu'il. Ouais, il... Ah ouais, mais il obéit pas là, je crois. Attends. Attends. C'est trop bien, attends, what? Marty. Mais je suis mort. Oui, c'est sa sagesse. On dit il en faut 20. 12. Du coup, qu'est-ce que je peux faire? Voilà. Non, je sais pas. Comment je leur nomme? Pyromancien. Oh non! Après, c'est peut-être mieux de le mettre dans l'équipe. Non, mais quoi? Mais il y a encore le bug du curseur là. Mais je vais crever! Je vais crever! Mais putain! Mais c'est pas possible! Mais non, mais je perds tous mes golds. Non. À cause d'un putain de bug. Ok. Ok, ok, ok. Va bien. Bah non, non, je... Je fais comment, là? Pas d'eau sacrée. J'ai pas d'aile de chimère, je fais quoi, putain de merde? Je crois que je suis dans une région où les mobs sont un peu trop forts. Hein. Je crois qu'il faut pas que j'aille par là. Hein. À moins qu'il faille vraiment que j'aille par là. Mais en fait, vaut mieux quand même qu'il soit dans mon équipe ou pas, le marteau. Le marteau brun. Parce que s'il m'obéit pas. Je suis dans une zone level 14. Ok. Je pense qu'il vaut mieux quand même que je. Le marteau brun soit quand même dedans. Histoire de... Putain, please. Il fait jour. Allez, vite. Non ! Pas beaucoup. Ok. Ok. Eux, ils sont pas trop forts.
Aïe. Ok, esquive. Non! Putain. Laissez-moi partir. Mais putain, c'est pas possible! La ville. Non! Please! 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 Attends, non, j'ai pas un objet. Pas pour me barrer ça, merde. Je suis un marteau-brun, je veux ressusciter mes poteaux. Allez, hop. Oh putain. Oh là là. Comment je le renomme, mon monstre? Ouais, je vais faire ça, Taniki. C'est laquelle qui me fait dodo? Ouais, je dirais. Comment on renomme, du coup, Alex? Ah bon. Merde. Ah, faut que je retourne à Bonne Aventure, d'accord. Ok. C'est laquelle qui pourra me reposer, c'est toi? Ah, ça doit être là. Ah, merci. Quelle histoire. Journée s'annonce magnifique. Ah bah oui, magnifique journée, hein. Alors, je retourne voir le gars. De toute façon, faut aller au nord, mais disons que ça va être sur mon chemin. Alors, bonjour monsieur, vous êtes où déjà? Oui, par là. Oh! Attends, quoi? Non mais je comprenais pas, mais genre... Pourquoi il veut pas du marteleur et qu'est-ce que c'est que ce délire avec le sac? Alors, d'accord, je peux vraiment changer le nom du sac. Oh non, ça passe pas. Ah si, si, ça passe. Pourquoi il n'y a pas le marteau brun? Pourquoi je peux pas le renommer? Prendre des nouvelles. Ah, confier un monstre.
Lui, tiens, je te le confie. je suis mort. Tac, toi. Alors. Ils sont courts les noms, hein. C'est 8 lettres max. Alors, comment je pourrais l'appeler? Casseur. C'est un casseur! Avec son énorme marteau, c'est un casseur. Voilà. Voilà, c'est. Voyez, quand il y a des manifs là, bah les casseurs, c'est lui. Voilà. Tout simplement. Voilà, c'est parfait. Faut toujours lui recharger son nom si jamais. LGBT. Qu'est-ce qu'il raconte? Voilà, allez, choisir un monstre. Toi. Et casseur! Incroyable. Casseur là, le casseur. Allez, let's go. Bon, du coup, j'en ai qu'un seul. Hein. Regardez-le là. C'est un gang là, il y a le casseur derrière, après, derrière les manifestants. C'est excellent. Excellent. Alors. On va aller vers le nord là. Plein nord. Je vois un truc sur la carte là, j'ai pas fait tout le nord. Est-ce que. Casseur attaque. Bah ouais, 9 points de dégâts. Ah, il level up pas? Il a tué 3 de ses potes et il prend pas un seul level. Ouais, qu'est-ce que je peux lui donner à Casseur? Pas grand-chose, hein. Pas grand-chose à lui donner, hein, au pauvre Casseur. Hein. J'ai vendu mon kilt. C'est bien le problème. En vrai, vas-y, prochaine ville, je vais lui donner de quoi. Alors, je peux pas aller là. Faut que j'aille plutôt par là. Il manque Blanchecombe. Je suis pas allé à Blanchecombe, ouais. Ah bah ouais, je vais retrouver ma Bianca. Ma Bianca quand même. Je la retrouve. Oh là là, casseur qui met des. Qui fracasse les gens là. 5. Force plus 1. Sagesse plus 0. Comment ça, plus 0? Foutez de ma gueule. Et du coup, il est nul. Il va jamais gagner en. Non, t'es sérieux, casseur! Ah, mais du coup, comment il va faire pour gagner en sagesse? J'ai pas d'armure à lui donner. Tant pis, hein. Je vais aller dans la ville à côté, je vais lui donner un petit truc. J'ai tout vendu moi. Hein. Je me suis dit c'est bon quoi. Et ouais. Bouclier d'écaille, bah tiens, je vais lui donner ça. Oui non mais je vois mais Taniki mais je l'ai vendu en fait. Alors l'église. Ça non. Alors, résurrection. Pour ressusciter un casseur. Je sais pas si vous savez ce que c'est, monsieur le prêtre, qui est casseur dans les manifs. Alors, bonjour, non, c'est fermé, attends.
Je vais dormir, hein. Bonjour. Je me dis dans le sommeil, arrive sans perdre dans ses pensées. Tu vois, Silver, je pensais à ma famille. Ça m'a fait un choc d'apprendre que père était mort. Apparemment, oui, il a pris sa place sur le trône, mais les gens ne semblent pas le tenir en haute estime. Je me demande si je ne vais pas aller faire un tour là-bas. J'ai envie de me faire une idée de la situation, puis on n'est pas très loin, juste un peu à l'ouest. Et nous pourrons en reparler demain étant dormir, pas vrai? Bah, ok, je croyais que je pouvais pas y aller, mais du coup, en fait, je peux y aller, fait juste que j'aille ici. Après, tu peux retourner au tour Karpar. Oh, flemme. Bianca est pas là. Triste. Ouf. La femme de l'aubergiste, mais pourquoi? C'est si important que ça? Non, oh, j'y retourne, allez! Qu'est-ce qu'il me veut avec la femme de l'auberge? Tiens d'ailleurs, est-ce qu'il y a des nouveaux équipements à acheter? Ah ouais. Alors, casseur, qu'est-ce qu'il peut équiper? Un bouclier d'écaille, ça je l'ai droppé. Un bouclier de fer. Ah, c'est mieux. C'est mieux pour tout le monde même. Bouclier de fer. Tiens. Voilà, ça lui donne beaucoup de défense, hein. Donc, voilà. Casque de bois. Homme de fer, il peut prendre. Mais non. Mais quel monstre. D'écailles. Je fous le fer moi. Tac. Baume de fer. Tiens. Et bah l'arme ce sera pour plus tard, écoute. Là pour l'instant. Pour l'instant voilà. J'ai mis tout ce que je pouvais lui donner là. C'est très bien. Il a un marteau là. C'est bon. C'est bon, il a un marteau. Donc la femme de l'aubergiste. J'avais 5 000... Mais quoi? Mais comment ça? Donc elle vous dit, désolé, mais quoi, Zon, Marie-Moi, on a acheté cette auberge à un certain Alba, ça fait bien 7 ans maintenant, pourquoi vous passez pas la nuit ici, ouais. Oh. Ok, on va rester une deuxième fois. Tu peux les tamer, comment ça les tamer? Un oreiller de Morphée. D'accord. Ah oui.
Bon, allez, direction. Le truc là. Imagine, tu es un grand lutin, il se dit, bah, je vais retourner dans la grotte, trouver un gant de métal. ...255 d'agilité aussi, mais what the fuck. Ah bah non, je suis con, je devrais pas faire ça, ça doit être compliqué. Ouais non. Laisse tomber. Alors... Ouille. Christophe, tu n'as pas empêché d'écouter parler. Voilà, comment tu parles de l'espace d'action qui es-tu? Comment sais-tu mon nom? Toi, tu as peur des grenouilles? Ah, tu as entre la fois où j'en avais une dans ton lit. Non, c'est impossible. Mais si, Christophe, c'est moi, Harry. Vous n'êtes pas mort. Ça fait si longtemps, on coulait les jours à l'époque, l'on est en petit état désormais. Ça suffit, Christophe, tu ne dois pas parler de ton pays en ces termes. En tant que soldat, ça pourrait te coûter cher. À vos ordres. Me laisse passer, Christophe, bien entendu, avec plaisir. Let's go, hein. On passe tranquillou. Tiens, qu'est-ce qu'il y a dur le vieux à nouveau là? Il semble que nous avions eu le temps de comprendre, nous nous sommes trop écrasés sous les lois de plus en plus dures. Encore jeune, il faut les voir par vous-même quand les choses se passent réellement. Cette terre, c'est quelque chose pour vous, c'est contre un moyen de remettre les choses en cours. D'accord. Ouah, mais t'es un malade à farmer autant, Taneki. Même moi, je farme pas autant. Enfin, non, mais moi je farme pas tout quoi en fait, c'est plutôt ça. Oh, j'ai un nouveau membre d'équipe! Oh! Trop bien. Celsius! Ah, et par contre, sa sagesse, c'est une catastrophe là. Le château, je sais pas vers où il est. Je peux lui donner le ruban de Bianca, mais non. Mais incroyable. C'est faux, tu as menti. Tu as menti. Aïe, m'a rien empoisonné. Pas cool. Oh, il fait bon, bon dégâts quand même. C'est par où là? Ah non, ça c'est là où il y a le... Ok. Ça doit être par là le château. Je me rappelle plus. Ouais, au Spilo quand je le retrouverai. Niveau 2 pour l'autre là. Sagesse plus 2. Ah, ça va, ok, il va commencer à obéir très vite. Oula. Bang.
Oh non, il résiste à la magie, il est mon gluant. Ah oui, c'est vrai, c'est de la lumière dans ce jeu. Du coup, on va balancer une tornade. Et un bang. Quoi, il résiste au vent aussi? Mais c'est quoi ça? Trop chiant. Ah mais j'ai compris, quand tu dis tam c'est tame, dressé, d'accord, j'avais pas capté au début. Ici y'a rien, génial. Rego. Alors, il est où le château là? Le speedrun doit être assez intéressant, je pense, parce que du coup tu dois bien réfléchir à quel mob tu dresses et tout. Il va y avoir des choses intéressantes. Non, je sais pas si on va chercher le gland de métal ou pas. Hein. Par contre, du coup, c'est par où là le château? Ah, il est là, ok. Ah, yes. Back attack, on aime bien. Alors, le théorème de Cobourg, super, bonjour. Hache de pierre, parfait ça. Hop là. Quoi d'autre sinon? Épée large d'acier, ah ouais. Ok, ok. Croc d'acier pour Celsius. Ouf. Aiguille empoisonnée pour personne. Ok. Sans doute pour peut-être Bianca si elle revient un jour. Haha. Très drôle. Très très drôle. Mince. Attends un peu, je pense que vraiment on n'espère pas qui je suis à moins qu'on sache. Jusqu'à qu'on sache ce qui se passe. Faisons comme si j'étais n'importe quel kidam, d'accord? Ok.
Oula. Les mobs. Ok, très bizarre. Je ne sais pas pourquoi certains se sont engagés sans attendre, je sais pas. Qu'est-ce que vous proposez un truc pareil, j'ai oublié tout. Go souffrir dans la grotte maintenant, tout à fait. Dans la grotte. Oui, Taniki, je mettrai 25. Bien sûr. Faut que j'y pense, mais je. Je mettrai donc là, d'accord, on a ouvert le truc. Mais oh, son level 4 et 3, ouais, c'est vrai que ça craint. Attendez, j'ai pas. Si, je me suis régénéré en mana, mais j'aurais peut-être dû retourner à l'auberge encore une fois. On va voir un petit peu les mobs. Ah, si je le. Je vais rester au premier. Premier étage, hein, et si je... Ah ouais, les pyromanciens, à nouveau ceux-là. Ça pue, hein. Après, ils sont assez squishy. Ceux-là, par contre, sont chiants. Les tortues de graines des graines de vita. Ouais, mais il y a peu de chance. Il y a peu de chance. Par contre, recruter une tortue, ça doit être pas mal, je pense. Le tanking que ça t'apporte, waouh. Wow. Ok. Un bigornome. Oh, ça doit être bien ça pour mes. 1 sur 5 ? Mais quoi ? Mais c'est abusé ! Mais c'est tellement abusé ! Les tortues ne s'éteignent pas, ok. Ok, ok. Dommage. Allez, le monde gluant, rejoins l'équipe. Non. Non, c'est faux. Croc d'acier. Ok, il va être broken. Mon... Ils ont trouvé de quoi pour que mon Celsius soit broken. Faudra que je le renomme après ce donjon. Alors salut sur qui? Clé de cuir. Clé des gars est transférée. Il peut pas. Ok. Il peut pas mettre de bouclier, celui-là. Est-ce qu'il peut mettre. Oui. Hop là. Et croc d'acier. Sur lui. Oh mais... Oh, oh l'attaque qu'il a maintenant. Mais non, mais il va être incroyable. Il a pas de bras, comment tu veux qu'il porte un bouclier? Attends. Ouais, bon, d'accord. D'accord, ok. Il a des pattes. Bon. Ok. Ouais, un chien peut pas trop porter un. Hein. Sinon, il le met dans sa gueule le bouclier. Oula, attends, il est dans la merde, Harry là. Mais putain! Le jeu très sympa hein, d'entrée.
Ouais, bon là il m'a outspeed, hein, c'est un peu débile. En soi, je les découpe les mobs hein, pour l'instant. Attends, mais du coup, ça va être chiant de ressortir, rentrer. C'est giga chiant. Attends. Non, 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 non. Je sais. Hop là. Ça passe pas, je crois. Ah non, ça passe pas. Bah tant pis, je vais... Bon, je sais que ça s'écrit pas comme ça, mais sinon j'ai pas la place. J'y peux rien. Voilà. Changer un autre nom aujourd'hui. Non. Un monstre. Dracofeu, allez hop. C'est parti, Dracofeu en action. Quelle joie de voir un visage amical. Je suis la reine de Warrière, vous me reconnaissez, vous devez m'aider à sortir de cette prison. Qu'est-ce que vous racontez? Vous pensez que je ne suis pas la reine de Warrière? C'est pas vrai. C'est bien moi, c'est bien fort à la mort. Qui fait croire à la mort du prince Harry, mais je ne faisais que mon devoir de mère, je voulais que mon cher Will devienne roi. Maintenant, je me rends compte que j'ai eu tort. Alors, je vous en prie, faites-moi sortir d'ici. Ok. Ah, attends, j'ai regardé l'étage dessus. Hein. Quoi? Quoi? Mais c'est quoi? C'est pas un chien, c'est un souffle-feu. Je suis mort, mais c'est vraiment... Ouais, c'est un clébard, c'est pas un souffle-feu. Mais c'est quoi? C'est... Waouh. Attends, j'ai envie de voir ce qu'il y a à côté, là. Ah, d'accord. Ça raccourcit. C'est cool. Ah, c'est cool, du coup. C'est très très cool. C'est bon, il n'y a plus de chiens, là, de clébards, là. C'est bon. Ok, on va trouver le prince Will. Allez. Porte verrouillée. Verrouillée. Allez, nulle part. Attends, quoique... Je me trompe, vous énervez en ce moment, vous êtes un grand sel, le roi, oui, la tête, le roi, les ficelles, pas de santé, on a eu plutôt qu'une ennemie, on leur a votre tête. What the fuck? Y'a rien ici, génial. Attends, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Ah, chez le garde, je suis passé. Chez. Alors... Est-ce que je peux passer, là? Ah oui. Bonjour. Bonjour, Darwin, consacré à ma vie, consacré à la suite des êtres vivants. Pourquoi les humains et les créatures ont-ils évolué de cette manière? Ont-ils pu devenir plus puissants encore? Je pense qu'il y a autrefois un secret qui va débloquer ces mystères de l'évolution. Peut-être est-ce une intervention divine? Ouais. Ouais, enfin, il y aura un petit entretien d'embauche, Hugo, t'inquiète pas. Pas forcément besoin de CV. La présence sur le stream est un CV en lui-même. Oula, je le sens pas trop là, bonjour. Vous êtes si bon à faire, je disais, le moral n'est pas en forme aujourd'hui, je dois prier de repasser. C'est plus tard. Non, bonjour.
crois que mon chancelier a résolu la situation. Je ne suis pas du bien à parler avec qui que ce soit aujourd'hui. Veuillez partir. Mais un laquais doit toujours écouter son maître, n'est-ce pas? Oh, par la déesse! Chancelier, je dois parler avec cet homme en privé. Veuillez vous retirer immédiatement. Oui. Oula. Harry, mon frère Harry, tu es vivant? Eh oui, désolé de partir si longtemps, c'est que... Non, mère est en prison. Chut, moins fort. Maintenant que j'ai réfléchi, je me souviens avoir lu quelque chose concernant Mystery Miroir. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je crois que lui dans lequel j'ai lu cette histoire était dans la chambre forte du château. Tiens, prends cette clé, va voir par toi-même, je suis sûr que ça pourra t'aider. Mais quoi? Mais c'est quoi ce truc? Mais expliquez-moi! Pourquoi elle est en prison? Oh, ma mère est en prison, mais je ne fais rien. Expliquez-moi. Ok. Ok, d'accord. Donc c'est pas la... Ok. D'accord, c'est un... Ah si, à moins que ce soit la vraie, du coup l'autre soit une imposte. Oh putain. Ah oui. Ah putain. Attends. Ouais, ouais, je vois. Je crois que le livre dans lequel j'ai lu cette histoire était dans la chambre forte du château. Chambre forte du château. Ok. Salut Amzula, Janai. Salut, salut. Du coup, attends, est-ce que par là? Non, il n'y a rien par là. Ok, je pense savoir vers où c'est. Tac. Ouais, voilà, je m'en doutais. Tac, et comme ça, derrière, je vais là. Hop. Et là, je peux entrer. Donc là, ici, il y a plein de trucs, je suppose. Ouais, une médaille. C'est vrai qu'on vous avez récupéré, obtenu une caractéristique. Ok, d'accord. Donc un livre, ok. Et là... Alors aujourd'hui j'ai emprunté le portail du château pour me rendre dans les contrées du sud. Dans ces contrées se trouve une tour ancienne sur la légende, elle prend le pouvoir de révéler la vérité. Malheureusement les portes de la tour sont restées closes, il semblerait que la clé se trouve entre les mains des moines. Ok. Ah ouais, donc là je me barre totalement ailleurs. Alors avis sur DQ5, bon pas trop mal pour l'instant. Pas trop mal. Où est-ce que je suis là? Ah! Mais attends, mais je suis. Wait. Ah oui, c'est la zone où j'avais commencé à rentrer tout à l'heure. Voilà, bah c'est voilà, la tour où j'ai failli mourir. Ouais, ok, la zone où j'ai failli mourir, oui, c'est là où je suis allé tout à l'heure. Hein. Parce que je me suis dit, tiens, on va aller vers le sud. Bah, c'est cette zone-là. Je reconnais. Oh! Ok, bah elle est contente. Du coup, elle va dans le chariot. Attends, je regarde les caractéristiques. 2 de sagesse, 90 HP, force 40. Ok, curieux. Enfin bon. Du coup, on va aller. Un level max de 18. C'est nul du coup. Ou alors les autres ont des levels max plus bas. Alors est-ce qu'il y a... Non, il n'y a rien sur les côtés je crois. Ouh là, il y a déjà des mobs. Oh, oh bah tiens. Oh, ils sont trop abasourdis. Oh let's go. Allez. Allez. Mettez des dégâts. Mais vous êtes nuls. Allez! Mais putain, vous êtes trop nuls! Mais vas-y, ils sont nuls!
C'est embêtant ça. Moi j'ai pas vu Dracofeu qui va crever. Entre les mains des moines. Ah mais ils sont où les moines? Et voilà, où sont les moines? Ah oui, mais du coup, ça rend que j'aille ici maintenant en fait. C'est de la merde. Autant. Donc là, y'a rien, d'accord. Ah, faudra que je retourne à. Ah, bah je sais, Maria. Maria va m'aider peut-être. Dracofeu. Oula, Dracofeu. Ok, Dracofeu tient bon. Ok, merci. Tu vas avoir besoin de quelqu'un qui va rejoindre ton équipe temporairement qui se trouve dans une bayou. Ok, c'est ça. C'est bien ce qui me semblait. Premier secours, Dracofeu. Pauvre. Le problème c'est que je peux toujours pas me TP quelque part, c'est chiant ça. Du coup faut que je remonte en fait. On va remonter. Final. Allez, les fameux pyromanciens qui ont failli me buter tout à l'heure, cette fois ils dégagent. Des gluants, oh non, on va y voir un roi gluant. Eh ben non, pas de roi gluant. Donc l'abbaye, par là. Tiens, Maria. Hadès a accédé à ma prière, j'espérais que ton cœur te recevoir et toi aussi Harry, je vais te remercier d'avoir été si gentil avec moi ici. D'accord. J'aimerais pas vous voir aujourd'hui. Vous avez un triste enfant que je vous tracasse, oui. Devant dans la tour des nuées pour entrer à la maison extérieure et mes preuves. Seule une servante de la vitesse peut en ouvrir les portes. Malheureusement, avec tous ces monstres, aucune d'entre nous ne peut s'y rendre. Moi, je veux y aller. Maria. Par le passé, ces personnes ont fait des choses incroyables pour moi. Ma soeur, maintenant, c'est à mon tour de faire quelque chose pour eux. De plus, j'aimerais vous savoir si la déesse me reconnaîtra comme l'une des servantes et me permettra d'ouvrir ses portes. Je comprends bien, si tu es à ce point convaincu, ce n'est pas à moi d'en être empêché. Prenez Maria avec vous et veillez à ce qu'il ne lui arrive rien, Silver. Je ferai tout mon possible pour ne pas te ralentir ni t'attirer d'ennui. On y va, on y va. Il n'y a pas de texte qui dit qu'elle rejoint l'équipe. En même temps, une bonne sœur qui fight, ça aurait été bizarre. Je veux pas dire.